Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, tu vas demander en mariage notre invité Jean-Marc Sauvagnard. Ouais, alors j'ai au tout début de ma chronique, j'ai mis une chanson et je suis en train de me demander si c'est une bonne idée. Pas grave, je me lance. Ok. Dans une minute, ça va être à moi. Je tremble un peu, mais pas tant que ça. Ce matin, à la radio, je vous demande en mariage Jean-Marco. Ouais, voilà, je commence cette chronique en plagiant les Fatal Picard. Je chante et j'écris moins bien qu'eux, mais j'en ai un en face de moi et je crois que je vais beaucoup chanter ce matin. Désolé d'avance, n'hésitez pas à baisser le son. Cher Jean-Marc, on le sait, vous êtes le batteur du groupe Les Fatal Picard. Ouais. Il est des groupes qui vous accompagnent à un moment de votre vie. Moi, mon pote Xavier m'avait fait découvrir le vôtre en 2008 avec l'album Pamplemousse Mécanique. Mmh. Et vous ne m'avez plus quitté. Je vous ai écouté en boucle pendant de longs mois. Vous comprendrez donc que quand j'ai appris qu'on vous recevait, j'ai frôlé l'arrêt cardiaque. Depuis une semaine, c'est sudation excessive et hystérie dans mon sloggy. J'ai même failli me laver les cheveux ce matin. Je vous ai donc découvert avec la chanson « Seul et célibataire », ce qui était mon cas d'ailleurs. Ce qui l'est toujours d'ailleurs. C'est fou, on dirait que cette chanson a été écrite pour moi. Mais c'est vrai, elle était écrite pour toi. Merci. Arrête. Je cite « Je mange ce que je veux chez moi, aujourd'hui c'est pizza, hier c'était pizza. Ouais, » Après je m'étonne que ma balance me dise « Erreur, erreur !» Autre exemple, le chat est mort, je pensais qu'il tiendrait plus longtemps que ça, je pensais pas que pour les boîtes il aurait besoin de moi. Voilà, les chats avec moi ils tiennent rarement plus d'un mois, comme les mecs d'ailleurs. Jean-Marc, vous avez déclaré dans une interview à Wikidrummers « Je n'ai pas de voix, mais j'adore chanter, donc je me fais plaisir. » Comme vous l'avez remarqué en début de chronique, moi non plus, je n'ai pas de voix. Mais moi, j'ai vraiment pas de voix. Et quand je chante, ça ne fait plaisir à personne. Dans la même interview, vous avez dit « Je suis une midinette. J'aime bien les belles chansons d'amour. Ouais. » Et c'est dingue, parce que moi aussi, j'adore les chansons d'amour. Ma préférée, c'est « Besoin de rien, envie de toi, mais jamais envie de personne. » Merci, Béric, je me sentais un peu seule. Voilà, pardon, je peux pas m'en empêcher, en fait. Quand je vous regarde, Jean-Marc, ça m'émeut le cœur, en fait. Ça me donne envie de chanter. Je pense à vous et je chante partout. Et vous aussi, vous chantez partout. Pour preuve, une vidéo Facebook. Vous faites pipi dans un urinoir en chantant Chandelier de Saya. Heureusement que vous êtes contenté de chanter et que vous avez pas enquillé sur une choré. Je voudrais aussi profiter de votre présence pour pousser mon petit coup de gueule. Sur votre site, vous vendez des t-shirts Fatal Picard avec une licorne dessus. Oui. Et moi, j'adore les licornes. Animal de rêve, une jument avec une teub, quoi. Mais pour les filles, il n'y a que du S. Enfin, c'est pas cool pour celles qui font du L ou plus, quoi. Moi, tout ce que je peux faire avec mon t-shirt licorne taille S, c'est une culotte. Et puis, comme dit Amel Bent, oui, en référence musicale, je suis au top. Bref, comme dit Amel Bent, moi, j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Alors, cher Jean-Marc, je compte sur vous pour faire remonter l'info et me faire envoyer un t-shirt à ma taille, gratuit, en dédommagement de la peine suscitée. D'accord. Merci. Vous connaissez mon adresse, du coup. Oui. Jean-Marc, vous profitez d'une pause des Fatal Picard pour faire un album solo, novembre 67. Vous avez d'ailleurs lancé un crowdfunding sur Ulule. Crowdfunding. On dirait Nicolas qui parle anglais. Vous y partagez une de vos chansons, Les gens qu'on aime. Moi, Jean-Marc, le gens que j'aime, c'est vous. Si vous acceptez ma demande, je mettrai 10 euros sur Ulule. Si vous refusez, je me consolerai avec le numéro de portable de Paul, le chanteur du groupe. Jean-Marc, voulez-vous m'épouser? Je vais te répondre en chanson. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise oui. Oh, c'est un joli râteau. Radio VL. Radio VL.